J'avais une famille. Une femme. Elles sont magnifiques. Et un fils. Je les ai enterrés avec tous ceux que je connaissais. Non ! Que m'est-il arrivé ? Je suis mort. La mort t'a rejeté, t'abandonnant entre lumière et ténèbres. Nos destins s'entremêlent à Lyon, ma vie et la tienne. Qui es-tu, Spectre ? J'ai façonné l'histoire de la Terre du Milieu. J'ai forgé les anneaux de pouvoir. Celebrimbor, grand forgeron du Deuxième Âge. Sauron t'a dupé pour que tu crées les anneaux. Ton peuple et toi avaient souffert. C'est cette souffrance qui nous lie peut-être. J'aurais dû mourir avec ma famille. Mais tu rêvais de vengeance. Mais il n'y a qu'une seule façon de boucler la boucle. Il faut tuer Sauron. Il nous faut un nouvel anneau. Le monde des hommes va s'éteindre. Je l'ai vu. Je l'ai senti. Dans la montagne du destin, un rôdeur et un spectre, liés tous deux par la mort, ont forgé la seule chose qui puisse vaincre Sauron. Un anneau de pouvoir. Mais le pouvoir peut devenir aveuglant, et même les liens les plus forts peuvent être brisés. L'avenir que j'ai vu ne doit pas survenir. Celebrimbor. La mort t'appelle encore, Rôdeur. Que vas-tu répondre ? Talion. Elles sont magnifiques. D'où est-ce qu'elles viennent ? Oh, il me reste quelques amis au Gondor. Qu'est-ce qui ne va pas ? Oublie le passé. On ne peut plus rien changer. Il faut qu'on parte. Allons-y, vite ! C'est trop tard. Nous sommes déjà morts. Le spectre t'appelle. Et moi aussi. Spectre ! Où es-tu ? Il crie ton nom.
Et salut à tous, on se retrouve sur ce fameux jeu incroyable. Alors franchement, ça a duré un tout petit peu longtemps, le fait de se mettre en place dans ce fameux jeu. Alors on va tout de suite commencer, hein, forcément. Ce jeu, donc c'est Middle Earth Shadow of War, c'est le tout nouveau jeu qui est sorti. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit let's play dessus. Alors RT pour être en mode furtif et élimination furtive X, ça marche. Ça faisait un moment, j'ai pas joué à ce genre de jeu depuis belle lurette. Restons discrets. Mais ça devrait le faire. Alors restons discrets, remarquez votre présence. Tac. Hop là. Et 2-1. Alors, ils sont plusieurs, hein. Faut que je fasse vraiment attention. Saisir un ennemi pour le jeter dans le vide. Ah, en blanc d'autre. Je crois qu'il m'a vu. Y a rien ici à part l'ombre et la mort. Il m'a pas vu, c'est bon, il m'a pas vu. On va remonter. Allez, 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 allez. Ouah, ils sont un peu nombreux. Libère-moi. Ah, il m'a pas entendu, l'autre à côté. Yes. Pas mal, pas mal. Ok, donc, on doit retrouver Celebrimbor. Donc, c'est le fameux fantôme qui nous a plus ou moins été arraché. Et je crois que... C'est un peu un Assassin's Creed, le truc. Alors, j'ai joué au premier. C'était l'ombre du Mordor. Qui était vraiment très, très sympathique. J'ai bien, bien kiffé. Maintenant, bah, évidemment, c'est la suite, hein, la suite logique du jeu. Alors, je sais vraiment pas. Je l'ai pas commencé. J'ai vraiment rien fait sur ce jeu. Donc, je peux vous assurer que... On va tout faire, mais... Oh, purée. Oh, super. Allez, 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 on passe. Ils nous ont pas vus, mais c'est génial. Ok, maintenez A pour courir. Tout à fait normal. C'est la base de la base, hein. Il faut la vaincre. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout dans quoi on s'embarque, hein. Je vous jure, je sais pas. Je ne t'ai pas fait venir pour rien. Je te conseille de me le rendre maintenant. Quel courage. Pour un homme. Mais ce n'est pas ton épée qui le sauvera. Pourquoi serais-tu prêt à renoncer? J'ai déjà abandonné tout ce que je pouvais. Pas tout à fait. Pas encore. Tu veux l'anneau? Tu échangerais l'anneau contre le spectre? Pour me retrouver piégé dans ta toile avec lui. Je suis Arakne, et je ne passe que des marchés honnêtes. J'aurais fait le même choix. Non ! Attends. Dalio, non ! Oh !
Tu m'impressionnes, Rodeur. Il doit beaucoup compter pour toi. Rejoins ton pantin avant qu'il ne meure. Tu nous as condamnés, Talion. Elle avait déjà un pouvoir immense, et voilà, je lui donne le mien. J'ai mis toute ma force vitale dans cet anneau. Alors il faut le récupérer. Arrêtez ! La guerre que tu veux mener n'est pas ici. D'assaut par le Seigneur des Ténèbres. Tourne-toi vers le Palantir. Sauron ne s'arrêtera jamais avant d'avoir conquis toute la terre du milieu. Le Palantir doit être protégé. Je dois savoir si Arachné a vu juste. Bien, je veux dire, ça commence. Et franchement, ça commence super fort. Alors, pas mal de cinématiques. On est déjà contre des trucs super, super badass. Arachné, je sais pas du tout d'où elle débarque. Je connais pas du tout le personnage. On va peut-être en apprendre un petit peu plus par la suite. Ben, du moins, je l'espère. Minas Ithil, je n'avais jamais entendu parler de cette cité. Bon, effectivement, je n'ai pas lu les romans de Tolkien, mais voilà, si ça peut faire un petit retour de background, je ne suis pas contre. Attention. On poursuit. Acte 1, le siège de Minas Ithil. L'araignée avait bien raison. La seule forteresse gondorienne au Mordor doit tenir. Ça commence fort. Le Palantir est essentiel. Nous devons le trouver avant que Sauron ne mette la main dessus. Sinon, rien ne pourra arrêter son armée. Le sort de la cité importe peu. Il est hors de question qu'il se fasse massacrer comme tous mes frères à la Porte Noire. Il faut faire quelque chose. En éliminant les capitaines, nous donnerons du temps aux Gondoriens. Ils pourraient nous mener au Palantir. Il faut trouver un ver et le faire parler. Ah oui, les vers. Donc les vers, ce sont ceux qui, forcément... Alors, on peut sauter n'importe quelle hauteur, forcément. Ça, c'est génial, ça. Son esprit est faible. Maintenez B pour interroger. Qui dirige les recherches du Palantir ? Allez, donne-nous les infos. Qui dirige... Capitaine inconnu, je peux pas... Alors, ouais, bah, je suis obligé d'avoir lui, je suis obligé. Skun le tyran. Ah, il a l'air super sympa, lui. Hébété par la furtivité. C'est un renseignement classique. Le capitaine qui mène les recherches est dans la ville basse. Alors il n'ira pas plus loin. Allez, on va s'en occuper. Merde.
Oh mon dieu. Ça commence déjà très très fort. Alors pays. Bah tiens toi, tu vas mourir aussi. Bingo. J'ai pas encore de super super équipement, donc forcément je vais pas aller très loin avec ce que j'ai. Ah, je l'ai pas encore trouvé. Trouver la piste. Quoi. Ouh, ils sont un peu nombreux là. Hey, c'est les mortels. Mais je le croyais mort. C'est le cas. Salut, là. Ah. LT. Et 2, 3. Ah non, il y en avait encore un. Bingo. Excellent. Les Andoriens sont en mauvaise posture, il faut les aider. Le Palantir est un artefact puissant. Si nous le détenions, nous pourrions changer la donne. Concentré. Ok, d'accord, ça joue avec les joysticks aussi. Mais c'est génial. Ça, c'est bien, ce nouveau système. Bon, je vous cache pas, je suis un petit peu... comment dire, j'attends de voir un petit peu comment le jeu se goupille, parce que c'est vrai que Shadow of Mordor, il était très... assez redondant. Ah, bah tiens, ouais, c'est vrai que j'avais oublié ce... Il était assez redondant, ce fameux jeu. J'espère que celui-ci ne le sera pas. Hein, on n'aura pas forcément un jeu qui soit répétitif. Il faut toujours faire la même chose, donc chercher des capitaines, tuer capitaines. Il y avait pas mal de choses à faire quand même. Bon, c'était un jeu qui était très très intéressant. Celui-là, j'ai beaucoup d'attentes. J'ai beaucoup beaucoup d'attentes sur ce jeu et j'espère sincèrement que ça enverra du pâté. Bah, de toute façon, là, on commence. Le monde des spectres révélera sa présence. Ça, c'est vrai, c'est pas faux. Le monde des spectres révélera sa présence. On devrait le trouver là. Ok, je l'ai là. Skoon. Et on l'a trouvé. Devient imbété quand les attaques furtives. Ouais, normal. On l'a trouvé. Génial. On va tout de suite aller le chercher, hein, le gaillard. Donc vraiment beaucoup d'attentes au niveau de ce jeu. J'espère que ça sera vraiment... comment dire, bah, qui sera à la hauteur des attentes que j'ai. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. On démarre déjà sur les chapeaux de roue. Une bonne prise en main, un bon petit scénario. Normalement, on devrait pas y avoir de soucis. Allez, on monte et on le chope. Oh bah, super. Minas City n'existe plus. Ici, c'est Minas Morgul. Et Minas Morgul dévore les tiens. Oh, j'adore. Vous faites quoi là, hein? Hein? Oh! Bah, il y a du monde qui arrive pour m'aider. Et deux. Boum! Oh, j'avais pas vu celle-là. Allez, allez, allez! Oh, ce combat épique! Ah, raté. Ah, ma mince, pourtant j'appuie sur... Allez, c'est la fin. Et on l'a eu. Le dernier va se retuer. On récupère équipement. Triompher de certains capitaines permet donc à Calimator de forger de puissantes pièces d'équipement. Vous pouvez gérer votre équipement dans le menu inventaire. Allons voir ça. Qu'est-ce qu'on a gagné? Nous avons gagné une épée, une nouvelle épée. Voilà. Donc, équipée actuellement, bah, c'est Urfael. Et maintenant, c'est... bah tiens, j'avais une épée de domination. Et... Équipée de domination. J'en avais une autre? Épée de niveau 2. Bah, ça n'est pas la plus puissante que j'ai. Bah, l'épée de domination, on va la garder.
forcément, il y a... On peut... Ah, c'est génial. Ce système d'équipement, je trouve ça juste excellent. Oh, l'épée, elle est trop bien! Mettez-moi l'engin! C'est génial! C'est pété. Que faites-vous seul ici? Mon escouade s'est retrouvée prise au piège dans la ville basse. Combien étiez-vous là-bas? Bien trop peu. Eh bien, Minas Ithil tient encore. Nous allons perdre la ville moyenne, Rôdeur. Ils risquent de bientôt fermer les portes. Il faut nous y rendre le plus vite possible. Alors montrez-moi le chemin. Attendez. Quel est votre nom? Idril. Talion. Alors ne traînez pas, Talion. Il y a eu assez de morts comme ça. Eh ben. Ah bah on va courir, hein. On n'a pas trop le choix. J'ai quand même... Je me suis bien fait allumer ma santé. Hein. Allez, on va les sauver. Bingo. Bah alors... Oh, j'adore ce genre de combat avec d'autres PNJ dedans, c'est... On a vraiment l'impression d'être en guerre. Bingo! Bon, elle se bat encore apparemment, Idril. Allez, 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 allez! Ah, j'ai plus de flèches! Allez, je vous tuerai tous! Bingo! Oui, Drill, faut que je la perde de vue. Mais ils sont tellement nombreux! Hop là! Génial. Putain, on les a bien bien à ce matin. Hein. Ah, il y a encore des fights en haut. Oh, le jeu. L'espace est super grand, la zone de jeu est super grande. J'espère que ça va continuer comme ça hein, et que c'est pas juste le début. Hein. Ah bah. Ça canarde. Eh tiens. Allez, allez. Oh putain, ils sont tous en train de courir alors que ça se bastonne encore. Oh non! Tuons-les tous! Bingo! Oh, je fais tellement de dégâts! Ah, avec l'épée que j'ai aussi! Je sais pas si Idril c'est quoi. C'est peut-être une capitaine, je sais pas encore. Plus vite, plus vite, t'es gentil toi. Je suis limité moi. Allez, allez, allez. Rapproche-toi.
qu'est-ce que vous faites? Ce ne sera pas long. Partez. Dites aux archers de l'épauler. Oh! J'aime beaucoup. Attaque lourde. Maintenez X jusqu'à ce que la lance apparaisse, puis relâchez pour lancer une puissante attaque circulaire. Ça marche. Oh! Blam! Bingo! Non, j'ai plus beaucoup de santé. Faut vraiment que je termine. Mais j'ai rien fait! Je me suis juste retourné! Loki, arrête mon bébé! La ville moyenne est perdue. Nous avons chèrement défendu chaque pouce de terrain, mais ils ont réussi. Alors notre sort se joue ici. Le mur intérieur tiendra, et nous avons le double d'archers. Nous ne faisons pas le poids face à leur nombre et leur férocité. Oh, notre peuple a déjà repoussé l'armée de Sauron. Mais en perdant bien des choses à jamais. Ouais, c'est hélas vrai. Va à la grande salle. Protège les reliques. Ma place est ici. Mais fais en sorte qu'on les transporte à Aenys Anoun. Est-ce que c'est un ordre? Il faut que tu comprennes. Il faut protéger les choses les plus précieuses. À tout prix. Oui. C'est un ordre. Alors j'obéis. Mais je serai de retour avant la prochaine attaque. Ils ont l'air très proches, ces deux-là. Je soupçonne un lien de parenté assez fort. Soit c'est sa fille, ouais, ça doit être sa fille. Un rôdeur de la Porte Noire. Je vous croyais tous morts. C'était bien le cas. Si vous venez vous battre pour Minas Ithil, rôdeur... Allez voir le capitaine. Je ne viens pas pour la cité, général. Mais pour le Palantir, pour le protéger. Si la cité est protégée, le Palantir également. Cependant, nous avons des escouades qui attaquent les capitaines ennemis dans la ville basse. Afin de semer la terreur parmi eux. Oui. Il est grand temps qu'ils goûtent à la peur. Les troupes sont prêtes, général. Oh, point d'aptitude. Alors, vous avez acquis suffisamment de points d'expérience donc pour gagner un point d'aptitude. Vous pouvez dépenser vos points d'aptitude pour déverrouiller de nouvelles aptitudes et améliorer celles dont vous disposez déjà. Allons dans le menu personnage. Ah ouais, ça change. Ça change. Il y a tellement de choses. Alors, je peux pas... Non, je suis obligé de prendre l'agilité elfique. Ok, je suis obligé de le prendre. On va faire autrement. Bon. Il faut récupérer le Palantir rapidement. La ville est affaiblie. Elle ne tiendra plus très longtemps. Nous ne pouvons pas abandonner les Gondoriens. Castamir a raison. En protégeant la cité, nous protégeons le Palantir. Regarde. Les tours portent sa marque. Ces tours m'appartenaient jadis. La corruption de Sauron s'étend au-delà des frontières du Mordor. Il se moque de moi. Permette de voir. Pas sans le Palantir. Ah, récupérer le Palantir. Terminer les quêtes. Et on peut éviter que le Palantir ne tombe entre les mains de Sauron. D'accord. Ok. Donc, ouvrir la carte région. Et donc, on voit... ah ouais, ça a vraiment, vraiment bien... C'est vraiment hyper sympa. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Capitaine inconnu. Ok, il y a des capitaines par là. Qu'on peut aller voir, qu'on peut aller casser la... Qui on peut casser la gueule. Là, il y a forcément aussi les... Purifier la lire pour déverrouiller ce point d'emplacement rapide. Ok, d'accord. Ajouter un repère, par exemple. Là, c'est juste là. C'est énorme, le mec peut sauter à tellement.
Ouah, vache. On peut aller tellement vite. Oh, énorme. Ces Aedir sont de pâles imitations du Palantir. Mais nous pouvons retourner les artefacts de Sauron contre lui. Ces tours peuvent nous permettre de voir. Nous les purifierons et elles seront à nous. Adlegoyonen Amornion. Nous voyons tout ce qui a été perdu et tout ce qui sera perdu si la corruption de Sauron revient. Excellent! Qu'est-ce que je peux faire en faisant ça? Souvenir d'Arachne. Mais c'est génial cet engin! Ah, ça on l'avait pas avant, franchement, elle a pété! C'est génial! Oh oh oh! La cité est bâtie sur les ruines de mon royaume, mais certains vestiges demeurent. Voici mes Galgal que j'ai cachés à Sauron. Là-bas, je te montrerai pourquoi nous devons récupérer. C'est énorme! Franchement, je kiffe! C'est génial ce système! Et ils vous disent en plus ce que vous devez avoir. Eh, franchement, excellent! Franchement, excellent! Bon, alors, par contre, on est sur 32 minutes de vidéo. Je pense que c'est très bien pour un premier épisode. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour à ce sujet. Moi, je vais poursuivre mon aventure dessus. Bien évidemment, j'aurai pas vos commentaires directement pour l'épisode 2 ou 3. Mais vous inquiétez pas, je vous répondrai très vite. Sur la chaîne YouTube, en commentaire à la fin de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous de très très bons jeux et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, partager la vidéo, ça me fera vraiment très plaisir. Ciao tout le monde.